Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon let's play consacré à Mountain Blade Warband. Alors, la dernière fois, on avait encore attaqué des tas de bandits, on avait pris une quête avec le roi des Nords pour lui entraîner des hommes pour sa petite armée. Et donc j'avais comme projet, je sais pas si je l'avais dit vraiment, mais de rejoindre une faction ou l'autre pour avoir des combats un petit peu plus intéressants. Donc on va continuer donc avec cette quête du roi Nord, en espérant qu'on aura assez de bonnes relations avec lui après ça pour qu'il nous embauche. Et éventuellement, s'il veut toujours pas, après j'irai chez les Saranides pour vous montrer un peu le coin. Et voir s'ils sont. Souvent je me suis fait recruter assez rapidement chez les Saranides. Je sais pas. Je sais pas, c'était mec cool. Par contre, eux là, c'est pas des mecs cool. Donc on va les attaquer. Oh non! Voleur des batailles. Je suis pas du tout d'accord. Ah, chier. Je vais trouver ma cible. Il vient s'en mêler avec son armée de 150 pions Nord là. Et on voit rien dans dans un bois. C'est parfait pour un cavalier. Heureusement, l'intelligence artificielle, on n'a rien à faire. De tout ça. Enfin, à part des arbres, hein, des fois elle a un petit peu du mal. Mais... Donc là, j'ai décidé de faire de reprendre un petit peu mon let's play. Et je pense que d'ici peu, je ferai un petit let's play sur. Enfin, ou plutôt une petite vidéo de gameplay multijoueur. Ok, c'est la guerre. Aïe. Ah. Ah bon, j'aurais toujours gagné un petit peu de relation avec ce lord-là. On va dire que c'est toujours ça. Alors. Voilà, un Nord vétéran en plus, donc c'est ce qu'on veut, hein, les Nord vétérans. Il nous en faut encore 4. On va continuer à patrouiller la côte et à aller. Tu vois, on va retourner vers les bandits de la toundra. Pas mal de bandits, on dirait par là. En plus, ils se sont fait bloquer, là j'ai une chance de les rattraper. S'ils reviennent pas encore sur un lord à la con. Voilà. Voilà. Encore du brouillard. Voilà. Bon, c'est parfait. Je vais balancer mon arc, il ne sert à rien. Infanterie chargée. Cavalier avec moi. Les ennemis sont droit devant là-bas, normalement.
faire une jolie petite charge en plein milieu. S'occuper du dernier. J'ai encore des cavaliers, ça devrait pas trop traîner. Et surtout, je sais pas où est passé mon cheval. Chevalier, un de mes compagnons qui change de niveau d'expérience. Donc je sais pas si je vous ai remarqué si, ou si je m'en suis déjà servi, mais j'ai découvert une petite touche qui change la vie, enfin plutôt un petit raccourci, c'est CTRL espace. Et tout d'un coup, les voyages deviennent plus rapides. Oui, Benny Hill. Bon, ils vont plus vite que moi, on va peut-être arrêter là. Donc voilà, CTRL espace, ça accélère le temps. Hein. Façon Matrix. Enfin. Matrix, c'était plutôt ralentir le temps d'ailleurs, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai une arme contendante pour me faire des prisonniers, je crois pas. Je vais garder ça. Et je vais vendre tout le reste. Sauf les javelins, ça me permettra de me faire un peu d'XP. Et sauf l'arc aussi, ça permettra de leur filer un de mes hommes. ça, je crois que j'ai mieux pour tous mes hommes, je vends. Pas d'armure pas trop chère là. Ah c'est pas mal ça, ça protège pas trop les jambes mais le reste ça va. Mais bon, ça a pas autant de style comme mon petit truc avec mon super corbeau Nord 2. Donc je garde. Parce que le style, c'est important. Ah, c'est pas un super deal pour cette ville dans les 180 pour l'or, le fer, pardon. Donc je vais en prendre un petit peu, mais pas trop. Bon. Ah oui, j'avais découvert un camp de bandits de la toundra. Allez, maintenant qu'on connaît la technique de ouf pour aller plus vite, on va se permettre de faire tout le tour par là. En plus, il y a plein de bandits. Allez hop. C'est ça que je voulais faire.
débrouillerai avec une lance. Même en combat de mêlée, les petites lances c'est assez viable. Quoique, c'était pas la lance que je pensais. Parce qu'il y a certaines lances où on peut faire des coups latéraux en plus des coups au bas. Et je pensais que ça en faisait partie, mais apparemment. Hop, des nouveaux prisonniers. Hop. Peu d'équipement à revendre. Alors, nord de vétéran. Non, j'ai dû en perdre quelques-uns parce que, ou je sais pas bien compter en fait. J'ai pas fait gaffe. Je pensais que j'en avais quand même plus. On va continuer, on va aller se faire le petit camp de bandits. Bon, tant pis si on n'a pas la quête spécifique pour le faire, on va se faire quand même. Voyez là avec la petite pince que j'ai prise. Je peux faire des coups sur les côtés qui me permettent de me battre correctement. Et le coup en avant fait quand même pas mal de dégâts. Même si bon, c'est quand même moins puissant au corps à corps que ça. Par contre au niveau de contre les cavaliers, par contre c'est bien. Une petite lance. Parce que ça les bloque d'un coup, ça leur fait d'énormes dégâts aux chevaux. Ou aux cavaliers. Faut faire quand même gaffe à ces petites armes de gère. Ah, ah, la honte. Je suis pas d'accord. Je vais essayer de faire des parades de la con. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Ça apprendra. Donc je vais pas faire des parades en bloquant, je voulais faire des parades avec les coups, on va dire, dans la direction opposée. L'autre jour j'arrivais pas mal contre les bots, mais apparemment c'était une illusion, on va dire. Allez, on veut punir. Y aller tout seul, mais les armes de jet ça va être un peu chiant. De toute façon, je serais mort même sans armes de jet. Thank you.
les hommes, mais il a un peu le même équipement que les bandits de la toundra. Quel beau chapeau. Allez, je vais l'engager. Pourra toujours faire bouffon. Donc là, je pourrais upgrader un ordre vétéran en ordre Huskar. Donc ça devient des gros bourrins comme il faut. Mais bon, vu que j'ai une quête qui me demande 7 nords vétérans, vaut mieux que je les garde, quitte à... Tant qu'à faire, hein. Tant pis. Ah voilà, petit groupe de Sea Raiders. Déplace 5,4 moins 5,3. Tiens, je vais essayer de vous montrer là. Tiens, je vais me prendre dans une île. Donc en gros, le principe pour parer, c'est en gros s'il m'attaque vers le haut, je ferai un coup vers le haut comme ça. Voilà, là c'est réussi. Là aussi. Vous voyez, je fais l'attaque qui fera que les lames se touchent en gros. Bon, en pratique, c'est possible qu'on te débotte comme ça, mais... Mais bon, dès qu'ils deviennent un peu plus rapides que les ennemis tout pourris, que celui-là, hein, tout pourri, qui tape pas très vite, ben, c'est un peu plus compliqué. Faut le faire avec le bon timing. J'ai réussi. Aussi. Là, j'ai raté. Voilà. Bon, eux aussi vont beaucoup trop vite pour moi. Tiens donc. Bon, je vais essayer de me débarrasser de mes prisonniers à la ville là-bas si possible. Me débarrasser de l'équipement. Et je vais encore faire la quête du débarquement. Parce que bon, c'est ce qui fait le plus d'XP facilement. Ah, eux ils vont moins vite que moi. Ça m'intéresse. Du coup. Less talking, more raiding. Voilà, tout le monde descend de son cheval, tout le monde charge. Oh, elle va se faire détruire. Perdu de Nord vétéran, c'est essentiel. Virer les bandits de la toundra et prendre des vikings à la place comme prisonniers, c'est quand même mieux. C'est plus classe. Voilà.
Donc là, j'ai pile le bon nombre de Nord vétérans, donc on va directement enchaîner vers le seigneur des Nords. En espérant qu'il nous embauche dans sa petite armée. Je sais pas s'ils sont en guerre d'ailleurs, les Nords, on va voir ça. Nord et Vaegir, comme d'hab, toujours en train de se taper dessus.